Salut tout le monde! Aujourd'hui, en fait, je vais faire un petit vlog. L'affaire, c'est que je vais me faire une nouvelle coiffure parce que là, comme vous voyez, elle est pas très belle. C'est vraiment un petit chignon relax pour en vacances. Puis, c'est ça, fait que là, je vais aller me faire ma coiffure. Je vais me préparer. Puis après, je vais filmer tout ça avec la caméra. En fait, après, on s'en va à la bibliothèque. Moi, ma mère, c'est que je vais filmer à la bibliothèque. Je vais vous montrer des livres que je vais choisir. Peut-être que ceux-là, peut-être que je vais emprunter ou que je vais pas emprunter. Du coup, fait que ceux-là, je vais aller me préparer en bas. Puis en même temps, je veux comme juste vous dire, genre, que j'ai comme mon gros matou qui dort encore ici. Beau chat. En tout cas, on va en bas préparer ma coiffure. En fait, pour la coiffure, je vais juste faire une simple couette. Parce que, mettons que à la bibliothèque, c'est pas... faut pas être très chic! Ok, yeah. C'est tellement dur à faire. Je vous retrouve après que j'aille défaite ça. Je sais pas comment appeler ça. Ok, maintenant j'ai les cheveux détachés, fait que je vais me faire une couette. On est comme, ben, genre, ma mère est comme toute déjà prête, là. Fait que je vais faire ça le plus vite possible. Puis ben, moi, c'est rendu que je peux me faire des couettes plus longues parce que mes cheveux, ils sont rendus plus longs. Je suis tellement contente, là. J'aimais pas ça avant les cheveux courts. Puis comme dans ma routine, là, tu sais, quand j'ai, genre, mis un bruit d'alarme, genre, cheveux trop longs. Ouais, ben là, ils sont encore plus longs, pis je trouve que c'est vraiment le fun pour moi, sérieux, de me faire des coiffures, parce que ça arrive pas souvent. Fait que là, c'est ça. Bon, je prends mon élastique, je fais mes tours. Au lieu de me faire un chignon, là, comme j'avais fait, je vais me faire là une couette. J'ai mal au bras. Bon. Ma couette est faite. Tiens. Bon, maintenant, vu que mon élastique est un peu, il est plutôt plate. Bon, ben, je vais mettre un chou noir et blanc. Vous allez voir ça. En même temps, je veux juste vous dire que la face que j'ai faite, c'est je pourrais. En tout cas, regardez, ça c'est mon chou blanc. Point blanc avec tout du noir. Ça crée un fond. Je vais comme faire semblant. Je dis montrer. Je vais faire semblant que ça, j'ai fait ça avec ma vraie couette. Mais parce que comme ça, t'sais, ça va mieux tenir. Ouch! Ah, je me suis pété le dos. Bon, avec ça, donc là, je remets mes lunettes. Et je suis prête. Faudrait peut-être juste que je lave mes lunettes. Ah, ça filme. Oh, oups. Je savais pas que ça filmait. Je vais juste jeter le mouchoir. Je vais arrêter la caméra, je pense. Fait que là, je m'en vais. Excusez-moi, je pensais que ça filmait. Je pensais que ça filmait plus. Fait que là, parce que j'étais sûre d'avoir pesé sur arrêter de filmer. Chica! Whoops! Normalement, là, on vient un peu. On va pas tout de suite à la bibliothèque. On vient juste d'aller à distribution 1000. C'est une affaire où il y a plein d'affaires, genre des jouets, des chaises, des tables, des vêtements, en tout cas, etc. Il y a plein d'affaires. Puis ça fait que. Là, si je me trompe pas, là, on va à la bibliothèque.
on s'encore stoppe à quelque part à une vente de garage. Ouais, on se stoppe à plein d'affaires. Fait que là, si je me retrompe pas, après on va à la bibliothèque. Sauf que là, c'est ça. Puis, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ouais, j'ai pas le goût de filmer. Ben, je vais filmer à la bibliothèque, mais je veux pas vraiment filmer chez quelqu'un parce que c'est quand même chez quelqu'un la vente de garage. Fait que c'est ça. Wouh! Ben là, je suis rendue à la bibliothèque. Je vais vous montrer parce que j'ai pris des petits livres puis des gros livres, ben plus gros. Fait que je vais vous montrer ça. Puis c'est ça. Commençons par les petits livres. Petits livres. J'ai un autre manga parce que j'aime beaucoup les mangas, bien sûr. Ok, je vais vérifier quelque chose. DM Angel. C'est un gars. Comme ça. C'est encore un manga. Voyons. C'est que je tiens comme la caméra à une main, fait que là. C'est comme. Puis ça me tentait de voir là, c'était quoi. Je sais que c'est quand même bébé, moi, en tout cas. Un livre de Pet Shop. Ça me tentait de voir. Bon, maintenant, passons aux gros livres. Les livres, c'est pas mal. Mais en incluant les petits et les gros, c'est toutes des bandes dessinées. Fait que les gros, c'est aussi des bandes dessinées. Bon, fait que j'ai trop les petits et trop les gros. Bon, en premier, Lat Lim. Comme ça, fait que vous connaissez ça. Bon, je sais plus où mettre les livres. Ils sont trop gros. Ok, et Billy de Cat. Ceci, c'est le dernier. C'est un lit de chien avec des chats. J'ai pas pu résister. Ok, sauf que la troisième bande dessinée, c'est Charlie, ma vie de star. Oups. Il y en a sûrement un de vous qui connaissait ça au moins. Oui. En tout cas, fait que c'est ça. Mon setup. Des pieds. Mon setup. Des pieds. Mon setup. Des pieds. Lol. On va commencer à lire. J'ai des bandes dessinées de même. Oui. Ma maman. C'est ma mère. Je vous l'avais jamais montré. On va faire un profil sur elle. Tenez. Qu'est-ce que tu dis? Ah. Raconte pour enfants. Florence Léon. On enregistre nos livres. Ma mère a plein de livres. Ben là, là, là. Puis ça, c'est mes livres, sont enregistrés. Puis là, bon, on s'en va chez Pinocchio. Une crèmerie, je vais filmer ce que je vais prendre. C'est trop bon. Fini. On quitte, ben on a quitté la bibliothèque, on est dans la voiture, puis on va chez Pinocchio, une crèmerie. Oui. Puis ben j'ai emprunté finalement, j'ai juste emprunté Switch Girl, The Angel, de manga, puis Charlie, puis ben le livre de chien, saucisse le terrible. Parce que ça me tentait juste finalement. J'ai pas pris le ketchup. Parce que ça me tentait pas, j'ai juste le regardé. Parce que. Quoi? Je sais pas. Moi. J'ai parlé avec mon père. Je reviens.
ferme chez Pinocchio. C'est pour aller chez Pinocchio. Pour bientôt entrer chez Pinocchio. Ouais. Pinocchio, c'est une crèmerie. Il y a même une crème glacée là. Il y a trop de choses trop bonnes. Miam. Miam, miam, miam. J'ai pris un Mont Blanc avec des bonbons dessus puis une cerise. Et une glace là avec de la crème molle là dessus. En tout cas, c'est vraiment bon. C'est le délice. Là, mais je vais vous montrer ça genre dans vraiment pas longtemps parce qu'on est les prochains à passer. Plein d'enfer. Wouh! Pris ça, un Mont Blanc, un petit. Trop malade. Oui. C'est trop cool. Je vais vous montrer ça là, je vais le filmer. Il y a des jets. J'ai mon Mont Blanc, enfin, sauf que là il est moins beau parce que je l'ai pris. J'ai pris de la slotch. Au bonbon sûr, là, la crème molle est vraiment moins belle. Il y avait une cerise, puis là, ben, il y a des petits bonbons, en tout cas. Puis, ben, vu que j'ai fait goûter à ma mère, ben, ma mère m'a donné un peu de frites qu'elle savait pris. Alors, voilà. Juste pour vous rendre jaloux, là. Non, c'est vrai. Là, on s'en va chez nous, si je ne me retrompe pas. C'est ça là. Genre je viens de full capoter parce que genre il y avait comme un abeille là, là ben là on l'a fait sortir. Là après elle s'est mise à voler puis elle est venue se poser genre sur mon bras. Je capotais parce que j'ai genre la phobie des abeilles puis tout. Puis là je le dis à ma mère là, à Brass Park là. Enfin, un dépendant plus mon lapin sorti resto. Chiennelle ma vie. Il fallait mourir d'une crise cardiaque. Ok, non, peut-être pas, là, mais en tout cas, j'ai vraiment eu peur. Franchement, il n'y avait rien, là. Mais oui, mais là, j'ai peur des abeilles. Pour moi. Je suis arrivée chez moi. Oh, fait de la tranquillité. Oh, je suis tellement bien, là. Mon chat, ok, je trouve ça vraiment drôle, là. Okay, faut que je raconte quelque chose. Okay. Je vais vraiment à la maison. Je vais voir dans ma chambre. Ok, mon chat, il est encore dans mon garde-robe, ok? Ce matin, ou cet après-midi, en tout cas, cet après-midi, je vous avais montré qu'il était dans mon garde-robe. Hey, maudit flash de lumière. En tout cas, qu'il était dans mon... Faut que le flash parte. Qu'il était dans mon garde-robe. Puis là, mais il est encore dans mon garde-robe. Fait que je veux juste vous dire que, genre, j'ai un des respects pour mon chat, tu sais, parce que sinon, là, si... Il serait plus dans mon garde-robe, là, si j'avais pas de respect envers lui, tu sais, ça y tenterait pas. Allez, attends, faut que je fasse quelque chose. Excusez. Ben, je pense que ça va finir le vlog parce que il dure plus que 20 minutes, je crois. En tout cas, ça va finir ce vlog-là. J'espère que vous avez aimé ce vlog. Si vous en voulez d'autres, vous me le dites. Je suis toujours ouverte aux suggestions. Puis, je fais un petit message à Florence Tremblay. Si elle écoute cette vidéo-là, ben, bonnes vacances. Puis, tu peux me marquer un commentaire de suggestions de vidéos. Elisabeth Chaplet aussi, puis Elodie Tremblay aussi. Bye!